la legitimidad del alumno y por lo tanto la legitimidad de su pregunta, lo voy a tomar en cuenta. Lo central es que me van a hacer preguntas desde la ignorancia o desde un cierto saber que puede ser distinto de lo que yo estoy diciendo. Entonces es una oportunidad reflexiva. La naturaleza de la pregunta, sino que la naturaleza de la respuesta. Las preguntas, si uno las escucha bien, traen consigo el espacio donde pueden ser contestadas. Zigzag, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur pas d'universaux, mais des ensembles de singularités. La question, c'est comment mettre en rapport des singularités disparates. Alors, mettre en rapport, ou des potentiels, si on parle comme en termes de physique, on peut imaginer un chaos plein de potentiels. Comment mettre en rapport des potentiels? Alors, je ne sais plus dans quelle discipline vaguement scientifique, on a un terme là, qui m'avait tellement plu, que j'en ai tiré parti hein, dans un livre. C'était, ils expliquaient qu'entre deux potentiels se passait un phénomène qu'ils définissaient par l'idée d'un sombre précurseur. Le précurseur sombre, c'est ce qui mettait en rapport des potentiels différents. Et une fois qu'il y avait le trajet du sombre précurseur, les deux potentiels étaient comme en état de réaction l'un, et entre les deux fulgurait l'événement visible, l'éclair. Donc il y avait le précurseur sombre et puis l'éclair qui... C'est comme ça que le monde naît, quoi. Il y a toujours un précurseur sombre que personne ne voit, et puis l'éclair qui illumine, hein, et c'est ça le monde, quoi. Ou ça devrait être ça la pensée, ça devrait être ça la philosophie, c'est ça le grand Z. Hein. If we want to understand the world, it is not sufficient to describe it by words. It is necessary to calculate the world, so that science has had ever more recurrence to numbers, which are images of thoughts. For instance, two is an ideogram for the concept pair or couple. Now, this ideographic code, which is the code of numbers, has been developed in a very refined way lately by computers. Numbers are being transcoded into digital codes, and digital codes are themselves being transcoded into synthetic images. So it is my firm belief that if you want nowadays to have a clear and distinct communication of your concepts, you have to use synthetic images, no longer words. And this is a veritable revolution in thinking.